Ce matin est entrée en service la police métropolitaine des transports. C'est une présence humaine pour concourir à la sécurité et au sentiment de sécurité. Mais surtout, eh bien, permettre à chacun de pouvoir se déplacer dans les transports en commun en toute quiétude. C'est la première intervention qui est réalisée. Un effectif de 22 agents qui ont été recrutés. Depuis quelque temps déjà, on s'aperçoit qu'il y a un sentiment d'insécurité qui monte, qui se perçoit. Le but principal, c'est d'être présent sur la totalité des lignes de tramway et les 46 lignes de bus. On doit lutter contre les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes. On a quand même pas mal de retours positifs sur Montpellier, avec beaucoup de demandes et d'interventions au sein des transports en commun. Donc il y avait une véritable nécessité effectivement à être présent. Et cette mesure accompagne la mise en œuvre le 21 décembre à 19h de la gratuité des transports. Je le dis avec conviction, les transports en commun, c'est l'espace de tous. Et donc chacun doit pouvoir s'y sentir en sécurité et le voyage doit être une expérience agréable.